chez Nvidia pour on filme un jeu donc qui tourne sur du Tegra 4. Donc en l'occurrence c'est Blood Sword qui est un jeu Tegra Zone, donc réservé aux appareils qui possèdent un processeur Nvidia Tegra, en l'occurrence ici Tegra 4. Donc voilà les graphismes. Donc là c'est joué avec une manette, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, une manette Bluetooth Logitech, sur donc une tablette Tegra 4. Donc évidemment on n'en saura pas plus sur la tablette pour l'instant, et donc voilà, le résultat est sur cet écran ici. Et donc les graphismes sont vraiment pas mal. C'est vraiment sympa, sachant que c'est l'un des premiers jeux Tegra 4 qui n'est probablement pas encore terminé et qui n'exploite pas encore à 100% le processeur. Donc voilà, a priori, ça laisse prévoir de bons résultats pour la suite.